Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure qu'on avait ou après vidéo ça, j'ai créationné ou bien coché pas montrer la carrière aujourd'hui pour lui montrer ou pour lui apprendre ou faire valise. Ça valise, ça c'est un classique de We Are Needles, c'est un valise qu'on peut utiliser pour aller dans le marché dans ce premier temps ou bien on peut utiliser pour mettre des projets ou on peut utiliser juste pour gagner un bagage on côté pour mettre des bagages qu'on va acheter par exemple après un journée de travail, etc. Ok, généralement, les utiliser pour aller marcher et les fait avec un point qui est ouvert. Avec un point qui est ouvert, les super, super, super facile pour faire. Les fait avec deux points seulement et les fait avec des mains en l'air. Des mains en l'air et puis point de base là. Ok, donc c'est demi-point, pardon. Pour nous faire valer ça, je vais montrer dans les de plus près. Ça, c'est Boyo. Moi, j'ai deux couleurs actuellement là-dedans. C'est une palette de couleurs que m'a complété. Donc, nous avons marron qui fait déjà. Nous avons ça, nous dit douce leche ou bien caramel. Nous avons corps et nous avons tête là. C'est-à-dire manchio qui fait qui super, super ferme. Et puis, nous avons corps là qui fait avec juste des mains en l'air et puis des demi-points. D'accord? Donc, pour nous faire valise et. N'a besoin algodon. Algodon 8 par 6. Par contre, si nous voyons bien, algodon 8 par 6. N'a besoin d'un aiguille crochet 3.5 et puis n'a besoin d'un ciseau. Seulement ça pour nous faire valise pas nous. Si vous intéressé à faire projet ça, si vous finalisez projet pour la, pas oublier, étiquetez-nous ou bien et utilisez à chaque crochet pas maintenant que ça nous faire et partager travail. Non, pas c'est Florangi et son plaisir pour que mon lancement avec vous, n'a commencé avec valise noire. Pour commencer, vous avez seulement besoin 100 grammes ou bien 105 grammes, pour ainsi dire, 105 grammes pour faire et valise crochet pour là. Mais moi, utiliser algodon ou utiliser n'importe l'autre fille qui est résistant tout pour que vous capable faire et valise pour là. Ok, bon, nous prenons commencer. Ok. Pour nous commencer avec valise là, nous allons faire 116 mailles en l'air. OK, 116 mailles en l'air qui est super facile et valise elle est adaptée pour n'importe niveau que vous gagnez à crochet. On va faire premier là, nous allons travailler 116 mailles en l'air sur un crochet ça. C'est comme ça qu'on a commencé et valise ça. Le mois fin c'est 116 mailles en l'air parmi eux. N'a oui, oui. Ok, mais on nous fait premier maillot ensemble. Ok, qu'on y a moins gain 116 mailles en l'air sous crochet moi qui équivaut à longueur valise noire. Ok, donc qu'on y a là, nous pas compter, nous pas compter jusqu'à 8e maille en l'air là depuis aiguille crochet, c'est à dire que nous pas dit 1 2 3 4 5 6, 7, 8, et puis nous pral mettre aiguille là, aiguille crochet dans 8e point. Ça c'est pour, et puis nous pral faire un demi-point. Nous gagnons premier espace là. Premier espace ça. Ok, premier espace ça c'est le même nous gagnons. Ok. Kounia, comment nous pouvons faire tout reste ranger ça? Nous pouvons le faire. 5 mailles en l'air, c'est un seul processus que nous avons répété pendant que nous avons fait toute valise là. Nous pouvons le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Nous pouvons le chercher. Nous pouvons le compter 3 mailles en l'air et puis nous pouvons mettre aiguille là dans la 4e, c'est-à-dire. Nous gagnons. Faut nous faire bien attention à côté que nous te mettons aiguille là, nous pas compter. Nous gagnons 1, 2, 3. Et puis dans la 4e qui est ceci là, nous allons mettre aiguille crochet. 4e. Et puis nous faisons demi-point. Je vais me répéter avec nous encore. 1, 2, 3, 4, 5. Nous comptons 1. 2, 3, nous mettons aiguille là dans la 4e, nous faisons un demi-point. C'est le schéma ça que nous allons répéter jusqu'à ce que nous arrivions dans le dernier point, dernier, oh, sorry,
dernier mal en l'air qui se couche à nous. Après, le arrivé dans le dernier point. Donc, moi, je vais dans le dernier espace, moi, je vais faire le dernier 5 mal en l'air. Il y a un conseil que je vais annoncer, utiliser tête mal en l'air. Parce que ça va plus facile non, pour nous compter et 4, laisser 4 mal en l'air qui étaient nous. Par exemple, là, puisque je vais gagner. C'est nous, on va continuer bien. Là, yeah. Là je suis dit tête là, sur les clairs que j'ai 4 mains en l'air. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais directement piquer dans 4, 1, 2, 3. Dans 4e, là, je vais faire la dernière au milieu. 4e mains en l'air là. Et puis, moi finir avec le premier schéma. Qu'on y a dernier et deuxième bagage que nous allons faire qui c'est. Dernier tactique, et puis nous avons fait toute valise là, nous seuls, nous-mêmes seuls. C'est, l'un chaque fois nous arrivons dans le point, nous allons faire 5 mains en l'air pour nous continuer à travailler valise là. Comment nous travaillons la valise là? Mais comment lire? Super facile. 1, 2, 3, 4, 5. Nous n'avons pas rien pour compter encore que 5 mains en l'air. Ou virer travail ou à. Ou virer travail là. Ou gagner espace ça yo ou gagner espace si là ou mettez aiguille ou pas mettre le nan point non ben montre nous bien OK so nous gagner 5 mains en l'air moi pas mettre le nan yon point sinon que moi entre dans espace directement et puis moi faire demi point là OK listo. Pour montrer non que ou supposé capable move sans aucun problème ma en l'air yo pas vous voulez montrer non ça bien ma en l'air yo pas nan mai yo pas nan mai antérieur sinon que faut que li ka déplacer moi c'est rivé well faut que li ka déplacer sans aucun problème OK donc n'a pas le répéter ça pendant toute corps valise là pas oublier chaque fois rivé nan pointe là ou faire 5 mains en l'air. Et puis, on travaille dans le premier espace qu'on gagne. OK? 1, 2, 3, 4, 5. Et un demi-point. Comme ça, on suppose gagner un bel triangle. Chaque fois, entre deux espaces, on suppose former un triangle dans notre espace-là. OK? Très l'ouvrir montrer nous bien comme ça personne va faire qu'une erreur ou supposer gagner un triangle dans chaque espace parce que là on gagne yo ma en l'air là yo ma en l'air là yo ma en l'air là donc c'est ça qui après assurer que on pas perdu aucun point tout dans les sous l'autre là c'est des triangles que on fait des triangles que on fait dans toute covalisante juste des triangles OK avec trois et avec trois demi points. N'a continué. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a tout pour nous qu'on fait demi-point. Mettez demi-point. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. C'est travail ça que nous pouvons faire dans tout corps valise là. Qu'on y a comment on a fait connait que nous fini avec et corps valise là. Ligne ça yo, là nous gagne deux lignes. OK? Là nous gagne deux rangées. Nous pral travail, nous pral faire 34 rangées. Nous pral faire 34 rangées en tout. Là, comment on a compté yo, nous connait que là m'gagne une. Là m'gagne deuxième rangée. OK? Premier rangée, deuxième rangée. Premier rangée, deuxième rangée. Donc, c'est comme ça que nous prenons le travail pour que nous gagnions 34 rangées et 34 rangées valises là. Et puis après ça, nous prenons le travail et manche valise là. Manche avec latéral valise là. OK? Donc, après, nous ne travaillons pas oublier. L'arrivée à côté, l'arrivée à côté, on fait 5 mains en l'air et pour piquer dans le premier espace vide qu'on gagne. Comme ça, c'est continuer et puis on va augmenter et ranger valise.
Moi, mon pral travail, reste valise pam nan à part. Et puis, m'ap tourne pour que montre nous comment vous nous fait reste valise là. Ok, nous avons 34 rangées nous yo que nous travaillons en horizontal et moi crois que c'était dernier pour que mon travail dernier point avant que moi virer pour nous commencer travail latéral yo. Les super faciles pour nous compter par exemple nous gagnons là c'est une rangée là son deuxième rangée mais de là à là nous avons 3 rangées. Ok, so j'espère que nous enjoy process là. Ok, on a fait le dernier one yo. Oh, sorry. 2, 3, 4, 5. Nous piquons pour le dernier point. Quand on a pris le virer, travail à 90 degrés. Donc, quand on a venu devant nous, nous venons travailler à deux parties. C'est ça devant nous. Ok? Quand on a pris le faire, nous pris le rentrer aiguille là. Nous virer. Nous pral faire demi-point, nous pral faire 17 ou bien 18 demi-point. Ça dépend de. Si nous gagnons lien en plus, ça n'a pas de problème. Donc, juste travailler. Nous pral faire 1. Yon premier demi-point. Nous avons sauté rangé si là. Nous pral faire yon autre demi-point là. Donc, il faut nous un petit peu presser ce fil là pour que le cas range. Nous sauté espace ça. Nous pral là. On fait 3. Comme ça, nous pral travailler toutes. Première rangée, nous sautons ici là, là. Nous supposons gagner en tout 17 ou bien 18 points. Si vous avez une rangée en plus, vous avez 18 points. 18 demi-points, pardon. Ok? Donc, nous gagnons rangée nous de demi-points. Nous commençons le travail. Latéral yo. Travail ça nous pral fèl, m'ap montre ou li yon fwa, men nous pral fèl dans tous les deux bords, dans tous les deux latéral et travail antérieur que nous faisons. Tout ça pral fèl, ça vin, c'est ça qui fait que valisa vin et gen yon côté que li froncé. OK? Et qui permet que nous réduit automatiquement. Non, ça va mal prendre. Bien ça là, bien. Là et pour moi qu'un dernier. Ah, ok, qu'on y a nous venons gagner travail là comme ça devant nous. Ok, nous venons gagner ça qui c'est un lit d'un point. Nous prenons le fait yon main en l'air, nous virer travail là dans le sens que nous voulons vers la droite ou vers la gauche, c'est pas un problème. Et puis nous prenons le travail 4 rangées en plus de demi point. Ok, là, nous parlons qu'une diminution que nous avons fait encore. Diminution, pardon. Ok, nous avons juste travail pour nous faire, pour nous reproduire même quand c'est le demi-point. Ok? Nous avons travail. Nous allons montrer nous qui fait que le bras. Résultat que nous allons gagner, hein? Ça c'est, il y en a pas ce que nous devons faire. C'est parti ça que nous avons fait, qu'on y a. C'est parti ça actuellement que nous avons travail. Donc, nous allons faire premièrement. Partie ça et puis deuxièmement là nous fin travailler li nan tous les deux bords ni nan partie ça ni nan l'autre pointe là ni nan pointe ça nous pral faire l'autre intervalle qui pral faire nous gagner manche si là yo. OK, donc pour le moment nous pral faire 5 rangées de demi points que nous t'ai commencé là. OK, donc moi même m'pral finir et deuxième rangée, puis m'a fait 3 rangées en plus, et puis n'a tourné l'homme fini. Ok? Le nom fini. Ok, qu'on y a, nous gagnons 5 lignes de demi-points au fait. Donc là, nous gagnons 18 en tout, et nous gagnons 5 lignes de 18 demi-points. Ok? Qu'on y a, nous pral couper fil là. Nous pral couper fil là. Qu'on y a, nous pral faire même bagaille là. On va commencer le travail dans ce sens ça, dans ce sens opposé à. Et puis, on va faire même gens que j'ai commencé et
réduit point yo, on pral faire 17 points dans ligne ça là qui pral vinn fait que moi gagne tous les deux têtes yo. On pral vinn gagne valise en forme ça. Je m'excuse. On pral vinn gagne valise en forme ça. OK, et puis m'a gagne tous les deux têtes yo façon ça et puis nous travail dernier latéral yo avant même que travail noir fini. OK? Donc m'bral fait même partie ça pour gagner valise au complet. N'a pas retourné pour nous travailler latéral yo et pour nous finir valise là. Seule partie qui était pour nous travailler dans crochet noir, c'est manche dans valise noir, c'est manche dernier manche et puis avec latéral yo qui travaille dans une seule partie. Ça nous pral faire c'est que nous pral virer crochet noir, nous fin fait on fait deux têtes valise là. Fait ça moi qui était généralement pas couper n'importe quoi et serré li, c'est parce que c'est le même qui a un indicateur, m'a visé comme un indicateur pour dire et le m'a commencé ou bien le m'a fini et ranger ça que m'a le fait là. OK, m'a montrer non ça nous pour le faire connait c'est que nous pour le virer prochain non nous pour le travail hein quand nous t'ai gain 5 rangées connait nous pour le faire 5 demi points dans partie latérale valise là. Une partie latérale jusqu'à dernière ligne. Nous songez que dans l'espace ça yo, c'était 3 manières que des. Nous pour travailler dans réduction, ça pour faire que valise là latérale yo fait même genre avec et toute bordure yo, nous pour faire 2 demi-points 1 2 dans chaque espace ça yo. Deuxième espace là, on fait 1 2. Nous pral fait toute latérale là jusqu'à ce que nous arrivions dans point ci là. OK, et puis nous pral continuer travail latéral. Moi gagné presque tout rangé pendant rangé latéral pendant complet, donc c'était mieux surtout encore. Il y a une petite précision que m'a fait c'est juste fonti serré. Donc après, ça va arriver que nous gagne espace ça comme ça. Mais pour nous faire le pays belle et puis ordonné possible, fonti serré sous fil là. Et là on a fait demi point yo. Qui permet de nous parler de grand espace, nous ouais, un petit espace comme ça, tout petit. Aïta, un grand espace comme ça, tout petit. Nous font serrer ce fil là, permet que deux points bien et y'en a côté là, ok? Donc nous travailler dans 5 lignes ça y pour nous faire pour nous continuer travail latéral là. Pas oublier, font foncer ça, pas gagner trop d'espace, font tirer fil là. Y'en conseil que ma bâche surtout si vous quittez fil ça long comme ça. Y'en conseil que ma bâche c'est mettez fil ça ou capable crochet pour que pas même bien pour que ou coude li encore. Donc ça que moi fais c'est moi fil en derrière. Ça que moi fait. OK. Bah non, c'est compliqué là. Ça que moi fait c'est que moi passer le pas derrière et puis moi ouais, Noël fait ça. Fait ça là. On veut Noël bien. Dame que Noël bien. OK, moi passer le pas derrière et puis moi projeter. Ça me fait que fait ça, après ça me cache aussi tirer sous lit. Mais fil là, on fait tirer sous lit et puis il est déjà à tout coup dans valise là. Donc moi juste couper le que moi fin travail latéral ça. OK. So, on va travailler 5 dans l'air yo. 5 demi points pardon, je m'excuse, 5 demi points. Fais attention pour ne pas tirer dans ce fil là, on va tirer à l'aide. OK? Quatrième là et cinquième là. OK? Pour nous travailler tête qui pral, fait manche là, nous pourrons faire 60 mains en l'air. 60 mains en l'air pour que nous retournions piquer dans le point ci là encore. Je voulais que nous voyons bien. Comme il y a parlé, je voulais que nous voyons bien. Nous pourrons faire 60 mains en l'air et puis nous retournons piquer aiguille là, dans le dernier point. Pour nous retourner travailler encore. Même si nous avons fait la ligne ici là, nous pourrons retourner travailler encore. Deux demi-points dans chaque espace ça. OK, bah on se nous comprendre. On va essayer faire mettre le en hyperlapse. OK, là j'ai 60 mailles en l'air pas mieux. On va le crochet là. J'ai 60 mailles en l'air. On va mettre aiguille moins là. OK, Noël là. Et puis commence le travail, il y a demi-point. Fait premier demi-point. Hein? Fait 2 3 4
5. OK? Donc, nous venons gagner manche valise noire comme ça. D'accord? Donc, nous travaillons. Ça, c'est 60 mailles. Et puis, nous faisons 5 rangées. Kounia, ça que moi t'avais expliqué nous tout à l'heure, c'est que nous allons faire même ranger ça là. Nous allons travailler 2 demi-points dans chaque espace pour que nous arrivions là encore. Et nous allons faire 60 mailles en l'air. So, pour c'est ça que nous sommes fait là, pour ça que nous sommes fait là, nous allons faire dans l'autre bois. Ok? Après ça, fil ça, nous allons couper. Nous allons travailler jusqu'à ce que nous arrivions là. Ok, so, qu'on y a, moi gagne. Sorry. Moi gagne latéralement fin travail. Je fais deux derniers demi-points déjà. Kounia, je prends le travail pour que je fasse la 5 demi-points qui ont un rapport avec la terrasse. Ok? So, je mets 5 demi-points. Kounia, je prends le travail 60 mains en l'air. Et puis, ranger ça, c'est là que m'a fini. C'est exactement là que m'a fini parce que, pas oublier que c'est là que nous avons commencé le travail, ranger ça côté que nous avons fait. 5 et demi points et puis nous avons travaillé 2 demi points dans chaque espace. Donc, là, nous c'est là, après 60 mètres, là, ça, c'est là que nous avons fini dernier et premier rangé latéral qui pourra le finaliser, qui pourra le bailler nos manches valises là. OK? On va le faire 60 mètres là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
m'a connais que c'est là que m'étais comme c'est là que m'étais commencé que me finis. Donc depuis là c'est que m'a fini un rangé puis m'a commencé un autre rangé. OK. Nous avons fini avec valise, non, ça c'est le dernier point. Hein. Moi, je vais couper fil là, je vais faire 6 rondes pas mieux déjà, et puis nous allons fermer valise. Non, hein. Ok, moi j'ai 155 grammes de algodon 8 par 6, mais qui s'accrète. So, on va faire ça. Montre-nous comment finir. On va faire ça. Je vais tirer sous lit. Si vous avez une aiguille couture mais qu'on utilise dans le crochet et qui pour fil ou capable utiliser tout moi même utiliser aiguille crochet pas maintenant pour que les capable plus facile pour nous tout ça que moi fait mon travail des points super avec un peu de délicatesse pour que les pas paraître un bagaille qui grosso modo pour travail nous capable parfait voilà c'est un coup une couture parfaite. On y a, nous avons retiré ça, qui était indiqué nous côté de commencer et côté de finir. Et puis, on est capable de mettre fil ou un en dedans, dans la façon ça. Travailler. Bon, il y a une couture qui est plus appropriée dans le cas. Je vais travailler pour que je montre dans tout fil ça jusqu'à ce que je arrive là et puis moi, serrer fil là et puis me couper fil là. So, c'est moment pour que vous faites tous ces derniers petits détails, pour que vous preniez compte tout dernier bagage. Tout ça, c'est fil que vous mettez coude dans la valise là même. Du coup, vous êtes capable de couper sans aucun problème. Faites attention à couper le fil. Ok? Sans aucun problème. Et voilà, notre sac est prêt. Ok? Donc, vous avez une valise marché. Moi, rassuré au bagage, vous ne pas penser que ça capote entre 5 à 10 kilos. Ok, donc bien sûr, bien évidemment, on va pas laisser porter des bagages qui pas trop lourd que ça, mais et bon, voilà, tu as ton petit sac pour me mettre tes projets, yo, sous gain rad, ou voulez mettre la dalle, si vous voulez mettre la business autour comme ça, chez que mon a gagné pour que tout le monde a besoin d'acheter sa chair, capable vendre et tout. Voilà, c'est le Ida Bag de We Are Needers. Ça c'est pas moi qui pas un droit sous œuvre ça, mais c'est un projet que moi tellement aimé, qui est tellement facile, qui est tellement belle que moi te veux partager ensemble avec nous. Mais espère que vous te enjoy li et pas oublier montrer notre travail pour vous, partager sous prochain pam et dis nous comment expérience. Merci tout le monde. Bye bye.